un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne, mesdames et messieurs. C'est pour cette raison que nous avons pensé, en cette période de rentrée scolaire, nous rendre dans la librairie du Cameroun, plus précisément à Bépanda Tonnerre, pour rencontrer le monsieur du troisième millénaire qui nous a rassuré de ce que chez lui, c'est la véritable promotion. La promotion consiste également dans la baisse de prix. La promotion consiste également dans l'accueil. Voilà. La promotion également, mesdames et messieurs, c'est la qualité. La référence, c'est bien sûr chez 3e millénaire, rentrée scolaire sans stress et dans sa sympathie, dans son humilité, dans sa compassion. Il a pensé aux parents d'élèves. Suivez-nous chez 3e millénaire. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous a rassuré, nous sommes bien sûr chez Librairie Papeterie, 3e millénaire. C'est l'endroit indiqué pour vos achats, pour la rentrée scolaire. Et je vous ai rassuré tout de même que ici, c'est l'accueil, l'accueil chaleureux. C'est dans ce contexte qu'il a réuni un parterre de stagiaires pour nous accompagner dans les achats. Salut, messieurs. Merci, bonsoir. Comment allez-vous? Toujours bien, toujours bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme exclusivité dans votre maison? Bon, comme vous pouvez bien le constater, comme exclusivité, nous avons les cahiers, nous avons des bics, nous avons des crayons, nous avons des gouttes, nous avons des sacs de toutes marques. Voilà. Qu'est-ce qui peut amener une personne à laisser les autres librairies pour arriver au 3e millénaire? Comme vous pouvez le constater, chez nous, chez 3e millénaire en particulier, notre devise c'est de satisfaire le client, de mettre en confiance le client, de bien servir le client, et on a aussi des pourcentages. Voilà, donc il y a réduction chez vous. Il y a réduction effectivement. Ok, bon, quelle est la tendance depuis que vous avez commencé? Est-ce que ça fonctionne, ça roule? Pour le moment, le marché va lentement, mais déjà on a la marchandise, mais ce qui a lieu pour le moment, on attend les clients. On attend les clients, justement. Ok, merci. Alors, la suite c'est... Salut madame. Salut. L'accueil chaleureux. Salut. Hello, 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 hello. Il y a une belle ambiance en effet. On est à présent à l'intérieur. Comme vous le remarquez, achalandage, tout est bien placé. C'est la particularité avec le 3e millénaire. Alors, je vous ai bien rassuré, mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr chez 3e millénaire. La particularité, c'est que vous aurez la possibilité de rencontrer monsieur le PDG. Il est bien au téléphone, mais il a quand même accordé l'importance à notre émission en acceptant de répondre à nos questions qui seront également inspirantes pour d'autres personnes. Salut, monsieur le PDG. Excusez-nous. Salut, monsieur. Ouais. Nous sommes ravis d'être chez vous et bonne rentrée scolaire à vous également. Merci, merci à vous autant parce que vous êtes des parents d'élèves. Voilà, merci. Librairie et papeterie du 3e millénaire, ça fait combien d'années que nous fonctionnons déjà? 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience. Là, ça ne se trompe pas, ça ne ment pas. Quelle est la tendance du marché pour le moment? En principe, comme vous le constatez, pour le moment, nous, libraires, n'avons que pour but de faire achalander nos rayons. Nous attendons les parents qui ne viennent pas encore. Et comment faites-vous pour entretenir ce parterre de personnes, je veux dire de stagiaires qui sont chez vous? En principe, vous savez, les stagiaires sont des personnes qui demandent des rémunérations juste pour s'acquitter de leurs frais de scolarité, de fournitures scolaires aussi, parce que tous sont d'avance des élèves. Bon, bien avant l'arrivée des parents ou encore l'arrivée des parents qui traînent à arriver, excusez la tautologie, quand vous regardez cette année, quelle est la tendance? Ça vous dit quoi à l'horizon? Bon, comme chaque année, nous savons qu'au Cameroun, le plus souvent, les parents attendent toujours la dernière minute. Toujours la dernière minute. Ouais. Pour le moment, c'est le tour des libraires de s'apprêter, d'achander ses rayons, sachant bien que d'ici le 20, coûte que coûte, les parents sortiront du quartier. Voilà, ça fait 15 ans d'expérience que nous sommes dans la place. Qu'est-ce qui pourra amener un parent à laisser les autres librairies pour arriver au 3e millénaire? En principe, le 3e millénaire a une particularité, l'accueil, les prix homologués. Les prix homologués, comme vous voyez, au rayon, tous nos livres sont mentionnés du prix homologué. Justement. Les cahiers Safka, comme vous voyez, c'est les cahiers les meilleurs sur le marché. On a aussi les gammes de cahiers importés que vous voyez au rayon. Nous faisons l'effort de vendre ce qui est bien. Big cristal de bonne qualité. Donc c'est un peu ça la particularité du 3e millénaire. Donc ça vous dit chez 3e millénaire, c'est aspect prix.
nous avons aspect qualité, nous avons également aspect, je vais dire quoi, la référence aussi à la situation géographique, parce exact. Qu'on ne se fracasse pas pour exact. Arriver ici. Voilà, depuis 15 ans, qu'est-ce qui a frappé le PDG de, je veux dire, le PDG de Librairie Papeterie du 3e millénaire, qu'est-ce qui t'a frappé, qu'est-ce qui t'a marqué? En principe, s'il faut énumérer ce qui nous a marqué dans l'activité, il y a eu beaucoup de bouleversements des livres. Ouais. À un temps donné, à chaque année, on dit changement de livres, changement de livres. Et tous ces stocks de livres changés, nous les mettons où? En poubelle. En poubelle. Bon, mais ce qui est bien, c'est que depuis 2 ans, les livres sont en train de revenir au livre unique. Et je crois que ça pourrait continuer ainsi. Ouais. Le libraire pourra reprendre un peu sa forme. Ouais. Bon, maintenant, nous sommes presque plongés dans la rentrée scolaire. Est-ce qu'on a déjà les différents manuels, ou encore des funtus scolaires recommandés par l'autorité ici? Bon, je crois que nous dirons oui. Nous sommes prêts? Si nous avons 50 titres au programme, je crois que 45 sont déjà disponibles. Ouais. Chez le 3e millénaire, par exemple. Sur le marché aussi. Oui, sur le marché. Bon, particularité, nous avons l'accueil. La particularité, c'est également le prix. Oui, nous allons commencer la rentrée dans un très court instant. On a envie de demander qu'est-ce qu'il y a à côté des manuels? Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose qui puisse accompagner l'élève à l'école dans la papeterie ici? Ouh, la gamme est très très longue. En dehors du livre scolaire, nous avons les boîtes académiques, nous avons les cahiers de marque Safka, les cahiers importés, les sacs scolaires même. La gamme est très très longue. Ouais. Oui, je dis tantôt, on dit souvent les élèves à l'établissement, à côté des écrits, à côté de la lecture, il y a autre chose qui accompagne forcément la rentrée scolaire. Je veux dire, pendant, il y aura la pluie, il y aura peut-être la soif qui sera aussi présente. Oui, c'est l'ensemble, c'est comme vous voulez savoir. Oui. Les parapluies, les, comment ils appellent ça encore? Ce que les enfants portent pour protéger contre la pluie, manteau. Les manteaux, tous sont disponibles. Ouais. Tous sont disponibles pour être tout cela. Justement. S'il faille qu'on dise un truc aux parents d'élèves, ou encore qu'on invite les parents d'élèves à faire confiance à la papeterie du 3e millénaire, messieurs, vous avez la parole. You have the talk. En principe, inviter les parents chez nous, c'est une bonne chose. Chez nous, même au crédit, il arrive qu'ils donnent les crédits aux parents qui sont anciens chez nous. Et par rapport à certains parents qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez de revenus, font des petites tontines journalières chez nous, sur reçus. Parfois, ils ont des reçus de 500, des reçus de 1000 francs, qu'au bout de 4 mois, ils s'en sortent facilement avec 40, 50 000 francs pour pouvoir acheter les livres de la classe et les fournitures au complet. Comment se lancer dans la papeterie ou dans la librairie? C'est aussi très très simple. Le plus dur, c'est d'avoir la conviction, la foi de ce que vous voulez faire. Très très facile. Nous par exemple, nous commençons la vente dans un pouce, sur un comptoir, après le comptoir dans le pouce, après le pouce, aujourd'hui nous sommes aussi parmi les libraires. Comment parvenir à avoir des livres aussi captivants? Parce que là, il faut le rappeler que nous n'avons pas seulement les livres au programme. Vous avez à côté de ça les livres de compte, par exemple, qu'on ne maîtrise pas trop. Comment faire pour parvenir à maîtriser ces documents? Je ne sais pas, c'est la demande qui vous amène à chercher ou vous pensez... Vous savez, en ce qui concerne les livres scolaires, le ministère a mis sur pied une liste portant tous les livres au programme. Au programme, ouais. Donc, pour celui-là qui voudrait s'investir en librairie, a juste besoin de ce livre. Dans ce livre, vous trouvez tous les titres, de la maternelle en terminale. Ça, c'est d'un. Alors, maintenant, pour donc prolonger dans la papeterie, vous vous orientez dans un marché comme Machine Bopi, vous déclarez, vous voulez faire dans la papeterie, on vous donne le reste. Ah, ok. Donc, ça voudrait dire, au préalable, il n'y a pas de formation pour cela? Jusqu'à présent. Il ne faudrait pas aussi un peu d'acquis? L'acquis, oui. Mais formation, déjà quand on vous demande de vous rendre auprès d'un fournisseur au Machine Bopi et lui demander, lui dire, vous voulez faire dans la papeterie. Oh ouais. C'est une forme de formation.
Oui, c'est une sorte de formation. Comment faire pour savoir que cela ne doit pas m'amener, je vais dire quoi, en déroute? C'est un peu ça. Je peux me lever, je me rends, par exemple, à Mbopi, et dis bonjour monsieur, j'ai envie de faire de la papeterie. Est-ce que forcément il va me donner directement pour dire c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme si. Ok. La formation est gratuite. Au préalable, vous passez donc auprès d'un libraire professionnel. On va donc mieux vous orienter. Ok, nous sommes à 15 ans d'expérience déjà avec le troisième millénaire. Exact. La question qu'on aimerait se poser quand on entend 15 ans, ça fait beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. On a envie de savoir, en 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait, combien d'enfants ou combien de personnes on a pu sortir de la galère, combien de personnes on a pu situer en 15 ans? En réalité, ils sont énormes. Parce que quand vous allez par exemple à Double Balle, vous allez trouver plus de 15 enfants qui vendent les cahiers dans les pousses. Tous sont des produits du troisième millénaire. Ce qui fait que chaque année, comme vous voyez, trois peuvent quitter d'ici et devenir aussi papetier dans leurs pousses à Double Balle. Ouais. Donc, ils peuvent être au moins 15 à Double Balle présentement dans les pousses de cahiers. Bon, du pouce, on est passé du pouce pour une librairie, pour une papeterie. On se pose la question, quels sont les projets à venir de notre troisième millénaire? Est-ce qu'on va rester toujours dans le même cadre? Est-ce qu'on va rester toujours avec les mêmes endroits d'achalandage? Et qu'est-ce qu'il y a comme grosse amélioration dans le futur? Bon, nous croyons que si l'État avait vraiment réussi à maintenir le processus du livre unique, le libraire que nous sommes pouvait avoir certains, pouvait prétendre multiplier ses points de vente. Si c'est dit changer d'activité, c'est un peu trop dit. Plus qu'un métier que tu fais jusqu'à 35 ans, il faut juste suivre les étapes. Il faut juste continuer. C'est un peu ça. Donc, est-ce que. Je vais encore réitérer ma question. Est-ce que le troisième millénaire va rester essentiellement dans ce cadre? Est-ce que le troisième millénaire n'a pas pensé à étendre son réseau, par exemple, à Yassa, étendre son réseau, par exemple, à Dibombari, étendre son réseau à Lopom? Exactement comme je venais de vous répondre. Multiplication des points de vente. Ouais. Si et seulement si l'État faisait tout pour maintenir le livre unique, que le libraire ne puisse plus être bouleversé, livre hors programme, livre hors programme, ça pouvait amener le libraire à trouver une stabilité et multiplier les points de vente. Justement. Donc il faudrait forcément que l'État maintienne une bonne politique. Exact. Là dans ça. Ok, nous sommes toujours au troisième millénaire. On se pose la question, pourquoi avoir choisi le troisième millénaire? Le troisième millénaire est juste parce qu'au moment où on ouvre notre librairie, on était à l'entrée de l'an 2000. Waouh, c'est fantastique. Ils sont à l'entrée de l'an 2000. Voilà. Maintenant, à côté du troisième millénaire qui est prononcé depuis l'entame de cette émission, à qui avons-nous affaire? Nous avons affaire à un libraire professionnel au nom de M. Nguemo Delmas. Et c'est tout. Merci Monsieur Delmas, c'est un réel plaisir. Maintenant, est-ce qu'on peut venir ici également pour les photocopies, les saisies et autres? Parce que j'ai tout vu les personnes accompagner leur papeterie librairie avec cela. Exact. Là dehors, vous trouverez une photocopieuse de grande dimension. Puisque l'espace a été très très petit pour nous, pour la rentrée scolaire, les matériels de saisie ont été mis en quarantaine. Bon, ce n'est qu'après la rentrée scolaire maintenant. Souvent on a l'habitude de voir le grand bruit partout. Je vais dire grand bruit pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire des spots à n'en plus finir. Le moment n'est pas encore indiqué ou on n'a pas encore calé pour cette année. C'est vrai. Le moment est déjà défini. Le grand bruit est là. Juste parce que vous arrivez quand il est midi. Et midi c'est une heure de pause. C'est installé et ça joue mais à voix basse. Vous savez le plus souvent. Le grand bruit, c'est pour réveiller le parent. Justement. Parfois, le parent croit qu'il attend encore 4 mois. Pourtant, c'est 10 jours moins 3. Alors, quand il passe, il comprend. Librairie, papeterie, vente. C'est un peu ça le rôle du bruit. Ça réveille forcément. Et c'est ça le rôle du bruit. Comment reconnaître le personnel du troisième millénaire? C'est vrai, en entrant, on a vu des personnes vêtues en jaune. Le troisième millénaire n'a pas de personnel, il a des stagiaires. Des stagiaires, voilà. Des stagiaires, Bien, ces stagiaires sont habillés en jaune chaque année.
avec une maquette avant et arrière. On dit chez nous, la culture n'est pas tout ce qui nous reste, qu'on a tout perdu. La culture, c'est ce que nous devons savoir quand on nous a rien appris. Voilà, maintenant nous aimerons, parce qu'on dit l'homme n'est rien sans sa communauté, l'homme n'est rien aussi sans savoir ses sources. Nous aimerons naturellement que sur notre micro, vous essayez en votre langue première d'inviter quelques personnes à nous retrouver à Libori Papeterie du 3e millénaire. Oh. Poupou, Nzonzo, Yinzola, Pélenzia Munchinge, Pémetengwa Azupinkosuku, Nito Munsumu. Mbonge nzola mwole wesiku. Ka mwole me somyu chima wesiku ne pa nzola. Alors mbonge, metele parang le. Kwe e fo. Peshi kwa nge nzontu, te mwole menge tachi wesiku. Manya ka wimkaba wu, manya wimkaba wu, njepu wesiku mene, aso kwa libiri 3e milenaire, e tone la, bepanda tone. Maka ale temche, chengwa ane. Tementra membe, me doucement, doucement. Ouais, merci. C'est vrai, à l'entrée aussi, à l'entame de l'émission, puisqu'il était question de l'introduction, nous avons fait l'introduction du macro-espace. Maintenant, là, dans ce que vous avez dit, ou encore dans ce que tu as dit en ta langue première, nous écoutons une situation géographique. Est-ce qu'on peut également indiquer en langue de Molière ou Shakespeare, permettre aux autres de se retrouver facilement? Ah oui, en principe, chers parents, dans nos traditions, nous savons que l'école est la base. Ce qui fait que tout enfant né doit suivre les éducations. Ouais. Nous savons bien que les moments sont difficiles, mais ça ne veut pourtant pas dire qu'on doit laisser les enfants à la maison. Par rapport à cela, la librairie du 3e millénaire est ouverte pour tous les parents. Nous pouvons vous donner des crédits, nous pouvons vous donner des conseils, des crédits à long terme pour pouvoir faire les enfants fréquenter. Nous sommes situés où le 3e millénaire? Nous sommes situés à Bepanda Tonnet, en face de la station Olibia, en allant vers Double Balle. Carrefour Tonnet. Contact ici si possible. Ah oui. Le contact est ouvert 675 03 06 41. Ouais. Nous allons dire merci, monsieur Delmas, permettez-nous d'appeler comme ça, de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Et bonne suite pour la rentrée scolaire. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de notre édition, de votre émission, le Rencard sur MyAfrica TV. C'était un réel plaisir de nous rendre à Bepanda Tonnet, plus précisément dans Librairie Papeterie du 3e millénaire, qui naturellement nous a donné un peu quelques savoirs sur la librairie et par ailleurs nous annoncer la rentrée scolaire. À très bientôt pour un autre numéro. On est ensemble.